étape parce que Göteborg, faut c'est monter, toujours un c'est gros loin, déplacement, ouais, etc. Sûr. Donc voilà, si les cavaliers peuvent éviter ce long voyage à la quête des quelques points qui manqueraient, ils ne vont pas se priver. Janika Sprunger, elle, elle est loin au classement pour l'instant. Elle monte Aris CMS, 12 ans pour cet étalon KWPN. On voit Janika, appel de langue, elle aborde du 1, réception du 1, aborde du 2. Elle essaye vraiment de le mettre dans le mouvement. Cheval qui a besoin de cet influx et de cette tonicité pour bien s'exprimer. Ah, elle perd son protège-glôme là, qui son strap. Bon. Espérant que ça ne gêne pas trop. Pour l'instant, le cheval saute très bien. Vraiment une bonne technique. Grosse alerte, mais c'est passé. Ah ouais, la dernière foulée très très courte, mais c'est ça, Janika aussi, elle a ce talent pour donner cette énergie, et là, elle l'a fait plutôt à la confiance et au moral, et c'est... Voilà. Cette entrée de double, hein, elle est problématique, hein. Il y a le bidet en dessous, c'est proche du public, dommage, 4 points pour Fonger. Le choix en 5 foulées, il y a vraiment deux options. Hein. C'est 5 foulées en direct. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'a fait Olivier en voulant vraiment pas se retrouver trop loin et en prenant vraiment intérieur. Mais le risque, c'est de perdre un petit peu la rectitude et l'équilibre. Ou alors 6 foulées en écartant. C'est une perte de temps. Il faut vraiment réussir à avoir ces 6 foulées sans être trop près du vertical d'entrée. Mais c'est peut-être plus sécurisant. Bon, après, ça reste... À décider en fonction de son cheval et on voit ici